Et salut les amis, c'est Farmix Savoyard, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième présentation de mode by Arsonic Modding. Et on n'est plus dans le Fent, aujourd'hui on est dans le Massey Ferguson 7480. Il y en a un qui se reconnaîtra, qui sera a priori très très content d'avoir un mode comme celui-ci. Voilà, donc écoutez, on y va, comme d'habitude on fait le tour des possibilités du tracteur. Donc celui-ci n'a pas la possibilité d'ouverture de porte, tout bêtement. Donc on rentre tout de suite à l'intérieur. Donc toujours même principe, touche N, double roue ou jumelage arrière, touche virgule, jumelage avant. Alors là on a la possibilité avec la touche numéro 5 d'ouvrir le capot, toujours pareil, moteur modélisé, donc ça n'est pas fait pour me déplaire, donc très très bien. Touche numéro 5 du numpad. Touche numéro 7 du numpad, vous pouvez faire apparaître et disparaître le relevage avant. Touche numéro 8, toujours du numpad, vous pouvez faire disparaître le relevage avec le garde-boue. Ils vont ensemble, hein, c'est où vous avez le relevage et les garde-boue, où vous avez ni l'un ni l'autre, tout bêtement. On passe par l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, bah, toujours pareil, console avec application donc du taux d'emplissage de l'outil à l'arrière et GPS fictif. Vous avez également les indications, voilà, tour minute, vitesse, etc. Et puis temps d'utilisation. Possibilité d'ouvrir la porte droite, possibilité d'ouvrir la porte gauche, possibilité de mettre le rideau par soleil, possibilité de mettre en route l'essuie-glace. Normalement il est censé se mettre en route. La radio qui est ici, toujours le même principe. Voilà, regardez, l'essuie-glace est parti. Il était un petit peu pas chaud, je vais dire, hein, tout bêtement. Ici, ouverture de la porte arrière. Ici, pareil, essuie-glace au niveau de l'arrière. Et ici, on peut se mettre les gyrophares ou le gyrophare que voici. Toujours le même principe, les warnings, le clignotant à gauche, le clignotant à droite. Et bien évidemment, on a également la possibilité d'avoir donc l'éclairage que voici. Donc petit éclairage, gros éclairage, voilà, impeccable. Et bien écoutez, c'était donc une nouvelle présentation de mode by Arsonic Modding. Donc lien du forum d'Arsonic dans la description de la vidéo, c'est juste en dessous que ça se passe. N'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires, c'est pareil, c'est juste en dessous de la vidéo. Le petit pouce bleu, ça c'est pour moi, ça fait plaisir et pour m'encourager à continuer. Et puis bah, voilà, pour entre guillemets, c'est ma récompense pour le travail effectué, je vais dire. Likez la page Facebook et l'abonnement à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.